Hier j'ai pris 230 à Montpellier. J'ai souri au radar photographié. Bah, ça va être triste, hein. On a grandi avec, hein. Donc, j'arrive pas à y croire. Il y a des gens comme ça, quand ils décèdent, on se dit c'est pas possible. Hein. Je sais pas, c'est un grand artiste. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur qui est respectable et voilà. Quelle que soit la génération en fait. Voilà, c'était un battant, je trouve. Et, ouais, c'est même battu jusqu'à la fin. Moi j'aime beaucoup, par exemple, Vivre pour le meilleur. Hein, même les vieilles chansons comme Gabriel, même à l'époque de Sylvie Vartan, Je t'aime, que je t'aime. C'est con, ouais. C'est... Mais bon, c'est comme ça, c'est, on va dire. Une légende qui part. J'ai à peu près son âge, donc j'ai été bercé dans Johnny. Qui repose en paix, ma copine a dit. Grand. Je n'écoute pas Johnny Hallyday, mais je respecte complètement que ce soit un grand jour pour beaucoup de personnes. Donc, Et bah, apparemment, de toute façon, il suffit de regarder toutes les chaînes de télévision. Elles sont en boucle dessus, donc c'est quelque chose de marquant. Quoi. Ça fait de la peine. On l'aurait bien gardé encore un peu. Toutes les générations finalement. C'est le grand-père, on a un grand-père fan de Johnny, donc voilà. C'est le grand-père, on avait été au concert à l'Arena à Montpellier ensemble. Johnny, depuis qu'il a commencé à chanter, qu'il était service militaire, il a tourné un film avec mon ex-beau-père et tout, ici en Camargue. J'ai toujours suivi. Laetitia, je l'ai connue au Cap d'Agde. Tout, j'ai connu la Côte Bleue à côté de Metz aussi. Alors, c'est pour ça que Johnny, je le connais très bien. Ouais, Johnny! Wouh! J'aime bien terminer tard mon numéro.